Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo Movistar Planet pour découvrir ensemble l'événement de Pâques. Parce que ça y est, il est disponible à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le petit logo, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Et on va découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je lague un petit peu malgré qu'il ne soit pas encore totalement l'après-midi. Il faut qu'on essaye de trouver 5 œufs de Pâques. Bah écoutez, on va faire ça. 5 œufs de Pâques. Bon voilà, il y en a un ici, 2... En fait, il y en a plein. Ah, je peux pas celui-là? C'est pas un vrai? Ah, d'accord. Non, ça, c'est des décors. J'étais là en mode ouais, c'est easy peasy. En fait, c'est des œufs qui ne sont pas enterrés. Oh, je pense qu'on peut en trouver un peu partout. On va aller voir dans les autres. Oh, là. Là, non? Je peux pas? Oh mince! Oh mince! Je pensais qu'on pouvait ceux-là, mais non! Je me suis fait arnaquer! Après, il y a des gens, je suis sûre, vous allez être en commentaire. Oh, t'en as raté un, il y en avait un ici et tout et tout. Ouais. Où est-ce qu'ils peuvent être? Est-ce que vous pensez? D'ailleurs, en parlant, en cliquant là, regardez ce pack. En soi, je suis pas une énorme fan de. Bah, du coup, pas de la coupe. La coupe, je suis pas trop fan de la coupe. Les chaussures, ça va, elles sont jolies. Et merci à toi, Justine. Donc, Justine qui m'a fait encore une salutation juste avant que je lance ma vidéo. Mais merci beaucoup à toi, Justine, encore pour la salutation. Gros bisous à toi. Merci énormément. La robe est sympathique. Les chaussures aussi. Mais ce qui me plaît énormément, c'est le petit boonies qui est offert dans ce pack. Ce boonies est juste trop, trop chou. Petit Bambi, c'est trop mignon. J'adore. Mais il n'y a pas de pack là-dessus. On va peut-être essayer d'en création. Alors c'est moi, je suis complètement aveugle, je n'y vois pas, mais je n'arrive pas à en trouver d'autres, les jeux de Pâques. La meuf, elle est bloquée dès la première... Pourtant là, quand je clique, ça devrait être des jeux de Pâques, ça, non? Bah alors! Là, j'en vois pas. Quand je clique dessus, ça fait rien. On va essayer d'en pète-pète. Bah alors? Bah alors? Pourtant, ça devrait être bon. Est-ce qu'il pourrait y en avoir des œufs de Pâques? Voilà, j'en suis à combien? J'en suis seulement à 3, je crois, en plus. Hein. Ah, il m'en manque un seul, en plus. Ah, oh, je suis trop deg. J'ai pas galéré pour un œuf de Pâques, wesh. C'est quoi, ce bordel? Je crois qu'il y a juste dans le shopping où j'ai pas été. Bah alors, le pire c'est que des œufs de Pâques, il y en a partout, regardez. Il y en a partout. Les œufs de Pâques. Ah, peut-être qu'il y en a là-dessus. Peut-être que... Non, c'est... Oh, ça, ça doit être un boonies. Je pense. Mais là, c'est... On découvre seulement... La meuf, elle est bloquée aux 5 œufs de Pâques. Mais attends, dans le jeu, ils disent qu'il y a un cadeau. Là, ils disent qu'il y a un cadeau. Mais non, je voulais cliquer sur l'œuf. Attendez, on va retourner. On va appuyer là. Il devrait y avoir un œuf ici, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Mais des fois, ça galère quand même. Hein. On va réclamer. Tranquillou. Alors, le deuxième. Le deuxième œuf. Je ne sais pas quoi porter et s'il se met à pleuvoir. M3 look que tu aimerais porter lors du pique-nique. M3 look que tu aimerais porter lors du pique-nique. Faut que j'aime les looks des autres gens, c'est ça? Donc, j'ai quoi dans création? Dans les looks des autres, c'est ça? Écoutez, on va aimer les trois derniers looks. Hop. J'espère que ça va fonctionner. Ça devrait, je pense. Désolé, j'ai OK encore. Oui, encore. Hop, on l'a vite. Et par ici, on l'a vite. Le dernier. Voilà. C'est parfait. On réclame. Ensuite, prochaine quest. Aime les photos de trois personnes avec lesquelles tu aimerais faire un pique-nique. Ok. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas de photos gênantes. On va aller voir les photos.
Bah écoutez, autant qu'à faire, on va aller voir les photos des amis. Oh! Ça, c'était la miniature en plus que j'avais utilisée pour mon slime. Enfin, comme image, quoi, que j'ai modifiée ensuite. On va essayer de liker des photos movie star. Ils sont, je crois, mignons. Voilà. Ensuite, juste ici, signe des autographes pour deux autres movie stars. Ok, on va essayer de voir dans les dernières personnes qui m'ont envoyé des autos, donc Lali. D'ailleurs, merci aussi à Lali, elle m'avait envoyé une salutation juste avant que je commence à filmer, donc on va lui envoyer un autographe. Il va falloir attendre maintenant encore 2 minutes pour pouvoir finir cette quête. Et là, du coup, bah écoutez, on va répondre un petit peu au message. Hein? Oh my god, je screen. Allez, coucou, merci pour la salutation, ça fait longtemps que je suis occupée, donc là j'en profite. Ah, et là elle m'a envoyé un autographe. Mais du coup, ouais, elle m'avait envoyé aussi une salut tout à l'heure avant que je commence à filmer. Et attendez, je vois ça. Elle a un petit Bambi. Un petit Bambi? Oh, un petit Bambi sur l'épaule! Il est trop chelou, je sais pas ce qu'il a avec ses pattes, il est chelou. Il dirait un Bambi canard. Bah attendez, on va voir. On va voir le... Bah écoutez, pendant ces 2 minutes là, on va vite fait profiter pour aller voir le shopping. Parce que là, c'est Lalo qui m'a fait le look. Donc je sais pas si elle a fait le look avec le thème de cette semaine ou pas. Mais moi j'adore l'image. J'adore l'image qu'il y a derrière. C'est trop beau. D'ailleurs, je vais me l'acheter aussi. Ah oui. Donc c'est bien avec ça. Donc la salopette. Ça c'est sympa. On va voir si avec la salopette, ça rend bien ou pas. Oh non. D'accord, c'est considéré comme un haut. Donc on ne peut pas mettre un haut en dessous de la salopette. Ouais, bon, c'est vrai, j'aurais dû voir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Si je me suis... Ah non, ça va aller en dessous. On sait jamais, hein, on aurait pu mettre ça par-dessus. Hein. Par contre, là, c'est pas ouf. La coupe est sympa. Hein. La coupe est sympathique, j'aime bien. Ça aussi, ça c'est une robe, j'avais vu. Bah, du coup, je crois que c'était Lali qui m'avait envoyé... une salutation, je crois qu'elle avait cette robe là et je la trouve trop belle. Elle est super sympa. Franchement, la robe, même là, regardez avec la coupe et machin, un truc simple, mais ça fait genre trop bien. Ça fait sympa parce que je pense que si on remplacerait ça par, je sais pas moi, du noir, ça fait genre un petit peu old school. Vous voyez, dans les années 70, genre les filles qui étaient en uniforme pour aller à l'école ou dans les instituts pour les filles, ce genre de choses. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est trop mignon, un petit lapin! Un petit lapin! La coupe là, alors dites-moi au commentaire également si à vous ça vous fait penser à la même chose qu'à moi. Ça me fait penser à la coupe de Wendy dans Maman à 16 ans. Ça me fait trop penser à sa coupe. En plus, en rousse, quand même, l'ami Lalo, ça fait genre Wendy quoi. Moi, dès que j'ai vu cette coupe, je me suis dit, oula, je savais pas que ça, j'avais cette coupe, elle est trop belle. Et je pense qu'elle a acheté avec ce thème là. Et ça c'est quoi? Un robe, elle est sympa sans plus. On dirait qu'il y a des citrons dessus, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est quoi comme motif? Qu'est-ce que vous voyez comme... Cela, je m'approche de mon écran, limite je rentre dedans. Mais j'arrive pas à définir ce que c'est comme motif. On dirait, je sais pas, des feuilles, peut-être des citrons. Bon, je pense plus des feuilles, peut-être. Je sais pas trop. Alors les chaussures là, c'est celles que je porte. On peut mettre un petit chapeau. Bon, avec la coupe là, ça le fait pas. La robe, 6 star coin. Honnêtement, je ne donnerais pas 6 star coin, mais 6 diamants. Honnêtement, je ne donnerais pas 6 diamants pour ça. Hein, comptez pas sur moi. Le petit short là, il est sympathique. J'aime bien. Et oh, il y a une 5e page. Ouh, des chaussures boueuses. On a fait un crime, on a dû enterrer le cadavre et nous voilà avec de la boue sur les chaussures. Là c'est... Ah oui, carrément sur le corps et tout. Ah bah vraiment qu'on ressemble à quelqu'un de cracra quoi. Mais c'est marrant. Oh mince, je peux pas mettre ça avec ça. Mais ouais, il y a un petit peu les... Comment dire, les tenues western, tenues à l'ancienne, vous voyez, avec un petit peu de froufrou, de dentelle, voilà, de petits nœuds papes sur les chaussettes. Et est-ce que c'est fini? Ouh là là, nous sommes gâtés! Ouh, moins 50, what? Mais nous sommes gâtés puisque nous avons 6 pages, pardon, carrément, de 6 pages pour le Fabulous Farm. 6 pages, oh my goodness! On va prendre les
Enfin, on va enlever les taches debout parce que sinon on n'apprécie pas le vêtement. Mais la robe là, j'aime beaucoup aussi. Tiens, avec ces chaussures là, ça le fait. Regardez, et les chaussettes, ça rend bien. Les chaussures là avec les chaussettes, ça fait bien. Et sinon là, il y a du moins 50%. Et ça, par contre, ça, je dis non. Parce que ça, de toute façon, on reçoit toujours entre les niveaux 1 et niveau 5. 3 personnes sur 4 reçoivent ce cadeau là. Bon, à force, je l'ai trop vu, j'en ai fait une overdose. Mais le haut là, il est sympathique. Par contre, on va mettre un bas. Attendez, on va juste revenir en arrière. Il y a la petite jupe là. Ouais, bon. Ouais, faudra changer la couleur parce que vous voulez ça. J'aime bien les. Ce sont mes couleurs préférées, mais je préfère quand il y a une seule couleur unie. Voilà, ce genre de choses. C'est sympathique. Ah oui, elle le tient dans la bouche. Je pensais que ça allait être par exemple sur la tête, mais non, elle le tient dans la bouche. Et moins 50, moins 50. Waouh. Ah non, je pensais que ça allait être sur l'épaule, mais c'est sur les cheveux. Oh mon dieu, nous avons 7 pages. Oh my goodness. On a 7 pages. Bon, j'arrête mes conneries. Oula. Ouloulou, il fait chaud. On enlève un petit peu, on voit limite les nénés, le téton qui se pointe. Bon, j'arrête mes conneries. On va voir si c'est une 8ème page, parce que là, il n'y a pas grand chose de nouveau. Oh, une 8ème page. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Ils sont sérieux. On a des fleurs qui sortent des chaussures. Non, mais on est gâtés. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce look et je suis conquise. Je vous avouerai que pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce thème. J'aime énormément. En plus, moi, j'adore tout ce qui est salopette et tout, franchement. J'en ai une, mais je rentre plus dedans. J'ai trop grossi. Oh, merci. Merci, Kinzel, mais Kinzel au régime. Hein. Non, mais en vrai, c'est vrai. Hein. Le pire, c'est que c'est vrai. J'avais vraiment une salopette, sauf que j'ai grossi. Et du coup, je rentre à peine dedans, quoi. Dire un saucisson quand je rentre dedans. Du coup, faudrait que je. Soit que je rachète une taille au-dessus, soit que je maigrisse, hein, mais bon. Tant pis, hein. Et du coup, on va juste tester ça pour finir. Qui va par-dessus, franchement, ça rend bien, on dirait Fifi Brin d'Acier, hein, limite. Hein. Mais enfin, bon, j'aime beaucoup le look. Et attendez, on va revenir faire un autographe. Alors, on s'est perdu dans le shopping, clairement, parce que je pensais qu'il y aurait 3-4 pages maximum. Et du coup, ben, voilà, quoi. Au final, on se retrouve... avec 36 pages de nouveautés. Voilà, bah c'était la robe là, voilà, que je vous ai dit tout à l'heure, que je la trouvais trop belle et que Lali l'a portée. On en voit un petit auto, en plus elle m'envoie plein d'autos, et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'offrent des autos. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo où je réponds à vos messages en mode accéléré. Oh, c'est ça. Mais il est genre trop chelou. Je vous jure, hein, je vais réclamer, mais... Genre, je sais pas, il a les pattes de devant trop bizarres. C'est trop trop chelou. Il me fait peur, hein, limite. Hein. Dites-moi si ce Bambi-là vous fait peur ou pas. Mais moi, il me fait peur. Je vous jure, il me fait peur. Vraiment. Genre, vraiment. Enfin bon, se débloque dans 3 jours. Hein. On verra le prochain, une autre fois. Bah, du coup, dans 3 jours. Hein. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Hein, la découverte des nouveaux, des nouvelles choses, etc. etc. Bon, moi, j'irai encore voir après la vidéo les animations, etc. Parce qu'il y a peut-être des choses sympathiques. Mais sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Bye. Ciao, ciao. Au revoir. C'était la Kinzel.